On va parler d'énergie en Haïti, une question qui fait actualité depuis ces dernières semaines, hein, d'autant que le président PIA, Jovenel Moïse, lui a prôné énergie alternative pour capable venir avec une meilleure solution dans la réalité énergie en Haïti, électricité en particulier. Donc on a que EDH a eu un peu de problème au niveau structurel, au problème d'équipement, mais tout Haïti fait face avec la fluctuation et gaz d'art, tantôt qu'il montait, qu'il descend, et que Haïti dépense en pile l'argent, n'a acheté diesel, n'a acheté mazout. Donc, et alternative ça, capable de porter en amélioration dans le niveau environnement en particulier. Et nous avons adressé ces questions à M. Gérard Daniel Rousier, qui est chairman of the board pour e-Power. e-Power, c'est une compagnie qui lui-même qui vend l'état courant. C'est une compagnie qui est installée depuis 2011 en Haïti, qui fournit 30 MW sur réseau. Il a pensé comprendre la réalité avec nous à la lumière de l'analyse que nous avons réalisée. Nous avons suivi un extrait dans l'analyse ça, en attendant qu'une conversion intégrale qui présentait à nous-mêmes. Cependant, nous croyons que le secteur énergétique pays, hein, à l'image du pays, si vous faites assez de temps ou pas gérer un secteur, ben, là, tombé dans des grabats. Et je dis, comme on a parlé d'énergie, nous pas seulement parler d'électricité, et le premier constat que nous avons pour faire, c'est que plus de 70% besoin d'énergie pays, c'est à travers bois que nous coupé que nous consommons. Dans le pays, il y a moins que 2% de couverture forestière, donc c'est un problème écologique incroyable. 20% de besoins énergétiques, non, c'est dans les produits pétroliers pour l'automobile, par exemple. Et environ 10%, c'est produits pétroliers pour production électricité. Le reste, bien entendu, fait guildive marché, fait dry marché, par exemple. Ça. Et puis, une petite portion tout petit que Péligue utilisé avec de l'eau. Comme on connaît, il y a un barrage hydroélectrique et c'est comme ça que une portion de demande en énergie, en électricité PIA qui produit. Maintenant, ceci dit, pour qui ça, nous avons un État ça, ben, gagner une compagnie l'État, il y aurait l'électricité d'Haïti. Électricité d'Haïti pas vraiment géré tête correctement. Et chaque année, pour capable combler le déficit que EDH a fait, eh bien, l'État haïtien est obligé de mettre entre 200 et 300 millions de dollars par an là-dedans. Ça veut dire que l'État dépensait plus comme dans le boucher trou en non-EDH que le dépensait dans la santé publique ou bien que le dépensait dans l'éducation nationale. Donc, il y a des choix pour faire. Mais quoi que c'est le bon moment pour nous discuter de ça parce que nous voyons l'équipe qui vivait dans tête pays. Et je crois qu'à réfléchir sur ça, parce qu'on ne peut pas gérer le pays ça, si on a dépensé, comme l'année passée, parce qu'on est l'homme dit 200 ou 300 millions de dollars, ça dépend du prix pétrole. L'année passée, c'était 200 millions parce que le prix pétrole a baissé, mais le prix pétrole a augmenté, donc il a remonté dans la zone 300 millions. Et je dis à là, c'est un bail qui est très. Très correct, très sain que l'autorité a réfléchi sur comment pour éliminer le déficit. Ça. Nous avons des idées que nous proposons Bayo. Mais bon, le président prendra les décisions qu'il doit.